Bonjour à tout le monde. Moi, je suis agent d'enquête actuellement en mission au Mali. J'étais au Mali au poste des cordons techniques InfraWatch. Donc, c'est le même poste que j'ai occupé au sein de la même organisation actuelle au Niger, où j'ai effectué 3 ans et environ 2 mois. Actuel au Niger, donc les purificateurs Oriza, nous les utilisons dans le cadre de nos projets en réponse d'urgence afin de faciliter et d'améliorer aussi l'accès facile à l'eau potable aux populations vulnérables et qui sont en déplacement, soit déplacement interne ou soit qui vient par exemple de Burkina Faso et ailleurs. Donc, plus particulièrement, donc, les purificateurs, on les a utilisés en phase pilote pour essayer de voir comment ça pourrait répondre à nos besoins, puisque généralement, on utilisait les produits de traitement d'eau à domicile tels que Aquatab et Pire. Oriza, nous, on a jugé bon parce que vraiment, c'est un produit qui pourrait être aussi une des solutions adaptées pour répondre à nos besoins vis-à-vis à nos populations vulnérables qu'on assiste. On s'était dit, OK, on va essayer d'intégrer la partie Oriza, voir comment ça pourrait marcher au sein de la population et aussi sa performance. Et aussi son acceptation par la population bénéficiaire. Voilà, c'est ainsi qu'au Niger, nous, on a jugé d'intégrer 120 pièces d'Oriza comme phase pilote. Dans nos réponses en WASH, accès à eau potable en situation d'urgence, donc, on se confronte de temps en temps à l'utilisation des produits de traitement d'eau à domicile. Voilà, c'est ainsi qu'on s'était dit, avec cette réponse des traitements d'eau à domicile, sans intervention des produits, par exemple chimiques, ça pourrait peut-être apporter un plus au sein de notre réponse, pourvu que cela soit bien accepté par la population. Et sachant que aussi il y a certaines parties des populations qui ne préfèrent pas du tout, ce qu'il faut beaucoup sensibiliser, puisque quand on sent déjà les goûts des produits dans l'eau, des fois ils ont du mal à utiliser cette eau-là. Mais nous, on procédait à des fortes sensibilisations et montrer pourquoi il faut utiliser l'eau qui est traitée. Et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients en matière de santé publique et aussi au niveau des croissances familiales. Puisque si les enfants tombent malades du jour au jour, voilà, il y a risque de perdre certains enfants. Voilà donc raison pour laquelle nous, on a choisi cette réponse d'utiliser l'appareil Oriza, comme c'est vraiment très adapté, c'est portatif, facile à transporter, facile à entretenir, avec les kits Oriza, directement on pompe et à la minute, on a l'eau et on boit. Voilà, donc nous, c'est pour cette raison qu'on a trouvé vraiment c'est une solution adaptée. On a sensibilisé les populations, on a mis des critères de vulnérabilité, c'est-à-dire les familles les plus vulnérables pour bénéficier de ces kits et on les a formés et vraiment on a trouvé qu'ils étaient si content d'avoir d'abord l'appareil. C'est ainsi que nous, on a préféré d'intégrer les kits Oriza pour l'utilisation et voir comment, si c'est accepté, ça pourrait être couplé avec la distribution de produits tels que Aquatab Pire. Ah oui. Ah oui, ah oui. Je n'ai pas assez de retours puisque j'ai quitté la mission, mais je suis en contact avec mes collègues à qui j'ai formé sur l'utilisation des kits Oriza. Voilà, donc les gens, honnêtement, ils ont apprécié. Peut-être pour donner un peu d'historique, on a commandé kits Oriza plus les pièces de rechange.
Sachant que au RIVA, nous, ce qu'on a estimé et ce qu'on a sensibilisé, on pourrait utiliser, donc ça peut traiter jusqu'à environ 20 mètres cubes. Les 20 mètres cubes pour la famille, voici, on fait les calculs, ça prendrait beaucoup de temps. Donc la famille, s'il utilise bien les kits, il va utiliser les kits pour longtemps. Donc ce qu'on a distribué, on était au niveau des Tillabéri, c'est-à-dire la région des Tillabéri, et plus particulièrement à Abala, on a distribué dans la localité d'Abala, on a distribué 72 orisas. Et Makalondi, on a distribué 48 orisas. Voilà les retours que j'ai eus à travers les collègues. C'est-à-dire qu'ils ont passé pour essayer de voir comment les gens utilisent l'appareil. Je pense que notre mission d'Haïti avait commandé avant le Niger. J'ai effectué la mission en Haïti, évidemment, mais ça a été commandé après ma fin de mission. J'ai pris connaissance de Oriza à partir des missions de Niger, et c'est ainsi que, en tant que professionnel, j'ai vu, franchement, c'est très intéressant que cet appareil puisse être vulgarisé et utilisé et plus dans des réponses. On va commander pour essayer aussi de renforcer notre réponse en WASH ici au Mali. Donc, pour que cela soit en lien avec la réponse qu'on a portée au Niger. J'ai été contacté par mes collègues de la mission RDC. C'était dans le cadre logistique, puisque je pense qu'ils devraient aussi intégrer une petite commande de kits Oriza, mais pas pour la population, c'est justement pour nos staff qui partent en mission. C'est-à-dire quand ils partent en mission, avec les problèmes d'accessibilité à eau et aussi les problèmes d'infrastructure, cette problématique d'apporter des palettes d'eau, c'est lourd, sachant qu'un litre d'eau, ça fait 1 kilo. Maintenant, si on a 40 bouteilles, ça fait déjà 40 kilos. Et si on va effectuer une mission pour 7 jours ou 1 mois, vous imaginez ce que ça donne, c'est un peu lourd. Voilà, c'est ainsi que les collègues m'expliquaient qu'ils préfèrent commander les kits Oriza pour que les staff commencent à utiliser. Regardez en ligne, il y a les différentes vidéos mises par Fonte de Vivo. Donc là, vous verrez vraiment pas mal d'explications, pas mal de points intéressants, pas mal de réponses à vos questions par rapport à cet appareil. Voilà pour montrer un peu vraiment, selon ma perception, la pertinence et l'utilité des Oriza en réponse aux aides humanitaires.